Donc alors, excusez-moi, hop, je suis en train de faire une petite pochette là sur le volet. Donc, je vais la coller. Parce que comme vous voyez là, il manque un bout de bordure puisque j'ai fait avec les chutes et du coup il m'en manque un petit peu. Donc voilà, et là ben, je vais mesurer, je vais l'ouvrir, ce sera plus facile. Hop. Combien je vais faire à peu près, donc 4. Donc je vais prendre une chute de papier à peu près de 5 mm, mais par contre il faut que ça fasse du 20,6. Donc je vais chercher la chute. Voilà. Et donc j'ai dit 6, ça va faire trop grand. Je vais bien avoir une quand même par là. Ça fait combien ça? Voilà, une de 5. Voilà. Bien sûr, je vais faire une bordure. Alors du coup, par contre, ça prend beaucoup plus de temps de faire avec les chutes que de faire directement, fait comme on fait d'habitude. Même si c'est plus joli, mais pour le coup, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Puisque forcément, on passe son temps à mesurer, à découper des petits papiers. Donc, faut le savoir, quoi. Mais bon, franchement, je préfère comme ça quand même. Voilà. Donc, ah oui, j'ai pas coupé. J'avais dit à 20,6. Donc hop. Donc je vérifie que ça passe bien. C'est bon. Maintenant, ben, j'ai plus qu'à prendre les dimensions pour trouver une bande de papier. Donc ça fait 4. Donc 3,8. 3,8. Ah, bien sûr. Ce côté n'est pas assez grand. Donc 3,8. Et on y va. Et donc sur 20, combien j'ai dit? On va dire 20,3. Oui, là, ça tombe pas pile poil parce que du coup, j'ai le... Comme c'est des petits bouts de papier et tout, ben en fait, c'est au millimètre près, quoi. Voilà. C'est pour ça que du coup, ça tombe pas juste comme, ben, comme d'habitude, quoi. Donc... ça passe bien, c'est bon.
Et donc, on va coller la pochette. Voilà. Et donc, je vais venir la coller ici. Donc, je reprends mon petit comment s'appelle mon petit double face fin. Le problème, c'est qu'il est quand même pas donné et il n'y en a pas beaucoup apparemment, parce que j'en ai déjà plus, alors que j'ai fait que les pochettes, les petits trucs comme ça. Donc je trouve que c'est pas... Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Mais bon. Voilà, et donc là, ben, je n'ai plus qu'à coller. Ouais, quand je vous dis que je fais avec les chutes, c'est vraiment avec les chutes. Bon, après, du coup, j'ai dû entamer des papiers, puisque du coup, mais forcément, au bout d'un moment, si je veux garder le même style, du coup. Voilà. Là c'est pas évident puisque c'est sur la bordure. Donc voilà, hop. Allez, ce papier il est un peu épais là, celui-là. Je sais pas si vous voyez là le maille. Du coup les aimants ils marchent pas trop bien. Mais bon, ça va. Donc voilà, et ben je vais continuer ces deux volets, puis on se retrouve après. Donc voilà, alors j'ai fini, il me restera que cette page à faire. Donc j'ai fini ce volet, je mettrai sûrement une pochette ou quelque chose. Et puis là, je sais pas si vous voyez, mais on voit un tout petit peu les mains entre la. Donc j'ai peur que ça se décolle. Bon, je verrai sur le moment, comme d'habitude, en décorant. Ensuite, nous avons les deux volets comme ceci. C'est les mêmes. Puis, ça s'ouvre comme ceci. Avec la petite pochette qu'on a fait ensemble. Là, pareil, avec une petite pochette. Mais là, c'est plus pour décorer, en fait, que... Voilà. Ensuite, nous avons les deux autres volets. Là, j'ai... On peut pas le bouger, hein, il est collé. Puis la pochette du fond. Voilà. Donc je vais continuer la page là. Donc là, je dis que je voulais faire une pochette avec cette image au milieu. Donc l'image viendra par ici. Donc la pochette va arriver jusque là à peu près. Et puis après là, je sais pas ce que je vais mettre comme bande. Voilà. Donc je vais prendre les mesures. Ah oui, j'avais dit, est-ce que je fais un livret ou pas? Je sais pas, je le verrai après ça. Je vais me baser sur les dimensions quand même. Donc je vais prendre du 12 de large. Non, mais est-ce que je le fasse de l'autre côté? Ah oui, mais non, parce qu'il y a la reliure de ce côté-là. Donc, voilà, je suis désolée, je réfléchis en même temps. Donc voilà, je vais prendre du 12. Ouais, 12, c'est bien. Donc, je vais une pochette de 12 de long. De large, pardon.
ouais, de large. Donc je vais partir sur 13 cm puisque je vais faire la bordure. Voilà. Je pense que là je vais faire. Non, je vais pas le faire le fond. Ta ta ta, 13. Ça me fait du 12. Ouais, non. Donc la hauteur étant de 21. Plus 1,5 en haut pour le rabat, plus 1,5 en bas, ça fait 24. Voilà, 21 plus 3 donc. Donc je vais découper un papier de 24 sur 13 de largeur. Bien sûr, je vais prendre un papier noir pour faire un pour trancher. Donc donc je vais prendre une feuille. Excusez-moi. Donc alors, je vais d'abord faire le papier déco. Alors, en fait, c'est une chute. Hein, voilà. Pour rappeler les encadrements que je fais depuis le début, du coup. Donc, je viens le coller ici. Désolée, je fais que des bêtises. Voilà. Voilà. Après, il me reste une chute de la d'une bande de tout à l'heure. Donc, je vais venir le coller à côté. En fait, ça va faire comme s'il y avait plusieurs pages, sauf qu'en fait, il n'y en a qu'une. Et il y aura la pochette. Donc, voilà. Ce que ça fait. Là, j'ai ma pochette que j'ai préparée. Là, je vais la mettre comme ceci. Ah oui, du coup, comme Théo est arrivé, tout ça, on parlait, du coup, ben, je faisais ma pochette et donc, en fait, j'ai fait le rabat. Donc, vous pouvez faire un rabat comme ne pas le faire. Du coup, je vais le laisser, moi, puisque ce serait un peu... On pourra mettre un tag plus épais, voilà. Donc là, bien sûr, je vais mettre du papier blanc. Donc, ben, je vais le chercher dans mes chutes et je reviens. Donc voilà, alors j'ai trouvé des chutes de 2 cm. Donc je vais venir la coller là au bord. Si j'arrive à décoller le double face, voilà. Donc là, c'est vraiment une manière de rappeler un petit peu. Et je vais en mettre une aussi de l'autre côté. Mais bon, c'est vraiment une manière de rappeler. Parce qu'après, il y aura la pochette. Donc pareil, c'est la main. 2 cm. Hop. Et donc, pareil. Et donc du coup je vais venir comme ça coller ma pochette, qu'on voit un petit peu le blanc là et un petit peu là. Voilà, je vais essayer de la caler. Ouf, là, je... Donc, voilà, par contre avant du 21, par contre je sais pas si non, je vais décorer ma pochette avant. Donc bah, je pensais la décorer avec ce bout de papier. Voilà, c'est une chute de des... c'est le même papier que les bordures, sauf que
C'est que j'ai mis la carte. Ça va me faire du... Ça va se voir. Donc, je vais le décorer avec du papier blanc, tout simplement. Parce que sinon, ça va pas faire joli. Bon, je réfléchis, je vous retrouve après. Donc alors, je vais prendre du papier blanc. Je vais y glisser un aimant dessous parce que je pense que je vais faire un livret. Ouais, non, mais quand il y en aura assez. Je vais juste prendre un bout de double face. Voilà. Après, je vais venir coller le papier dessus. Il me manque un petit bout de double face. Celui-là, ça va aller avec ça. J'ai tout déchiré. Bon, tant pis, je vais le rentrer comme ça, celui-là. Parce qu'il est tellement fin, ce papier, que le moindre truc, ça marque. D'ailleurs, vous le verrez, hein, quand je vous le... Dès qu'il y a un aimant, ou qu'il y a eu un petit... Je sais pas, une petite plie... Peu importe, ça se voit. Mais après, il est super joli, quoi. Donc, je reprends ma feuille. Et donc là, voilà. Après, bien sûr, il va y avoir la carte qui va venir dessus de toute façon. Sauf que je vais pas la laisser comme ça et que je vais faire un petit livret. Je vais le faire. Je pense que je vais le faire gris cette fois-ci. 11,5. Je sais pas. Ouais, oui, je le fais noir. Je vais le faire noir en fait, et puis après je vais le mater en gris la carte, comme je fais souvent quoi. Donc non, je vais le faire en noir. Hop. Alors, je vais prendre des feuilles noires. C'est du pollen. Non, du trophée celui-là. 210 grammes. Parce que j'ai pas 160 grammes. Donc, je vais couper à 10,5. Et à... Ouais, mais de toute façon, je vais faire pour les photos. Donc... Je vais faire à 10,5 et à 15,5. Donc, c'est pas bon ça, si. Donc là je vais couper à 21. Attendez, 10,5 sur 10,5, ouais, 21. Sur 15,5.
15,5. C'est ça. Donc, et l'autre, je vais le couper à... Excusez-moi. À 11,5 sur 15,5. Mais là, ça va pas aller, ça. Non, 12. Oh là, c'est la fin de la journée, ça se voit. Donc, 10,5. 11, 12. 12. Oui, 12. Là. Et donc, l'autre côté, j'ai coupé à 15,5. Là. Hop, ça de côté. Donc, excusez-moi. Donc voilà, alors, on marque les plis. Là, pareil, j'avais commencé un peu pour voir si je m'étais pas trompée. En fait. Donc voilà. Et comme d'habitude, on va faire un petit livret. Là, on va mettre un morceau de double face. Oui, même le double face, je fais avec les chutes. Par contre, là, je ne vais pas trop voir, parce qu'après, quand je vais l'ouvrir, on va voir le blanc, puisque mon double face est blanc. Pardon. Donc, du coup... Je m'éloigne un peu du bord. De toute façon... Celui-là, il sera collé. Il sera collé dessous. Bon, il n'y a pas de souci. Je vérifie. Ouais, je me suis encore trompé de côté. C'est pas grave. Regardez, hop, hop. Tout va bien. Donc voilà, je vérifie que ça dépasse pas. Et là, et voilà. Donc là, ça va être collé. Là, je vais venir coller l'image. Donc, on va continuer à mettre des aimants. Je vais positionner à peu près là, puisque je vous rappelle que j'en avais mis un dessous. Excusez-moi. Donc alors, j'ai passé mes aimants. Maintenant, je vais habiller, enfin mettre du papier. Le papier, je vais mater cette image avec du papier gris. Voilà, juste que je retrouve les chutes par-ci, par-là. Comme ça, hop. Voilà.
va faire quand même plus joli. Ça va faire ressortir l'image, je trouve. Oui. En gros, hein, parce que ça va tourner. Voilà. Et puis, ben, j'ai plus qu'à coller mes papiers. Donc, je vais les découper. Puis, on se retrouve après. Donc, voilà. Alors, j'ai fait le petit carnet. Bon, du coup, c'est mal coupé. Enfin, c'est au millimètre près. Donc, ça fait pas très joli. J'aurais dû faire le livret un peu plus grand. Mais bon. Voilà. Donc, j'ai mis les papiers. Je vais le coller après sur la pochette, mais d'abord je vais coller la pochette. Donc, je sais pas si je le fais en double face. Ouais. Je vais le faire en double face costaud. Comme ça, si je le fais à la colle, je vais pas y arriver, ça c'est sûr. Je me connais. Et en plus, comme il y a de l'épaisseur, du coup. C'est sûr que ça va pas le faire. Donc, si vous, il vaut quand même mieux le faire à la colle, hein, si vous en sortez bien avec la colle. Si vous n'êtes pas comme moi. Donc, voilà. Je vais enlever quand même ce qui dépasse parce que sinon ça va même coller après les tags et tout ça. Et donc là. Alors je vais venir bien appuyer sur les bords pour marquer un peu plus le pli, même si je l'avais déjà fait. Donc je vais couper les angles comme d'habitude. Voilà. Donc là, je vais commencer par venir mettre la pochette. Ah, j'aurais pu le passer par-dessous, en fait. Voilà. Ça passait pas, de toute façon. Donc, je vais coller cette languette en premier. Quoique non, qu'est-ce que je dis? Ça. Alors, je fais ça parce que du coup, ça butera un peu moins vers le fond. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué, moi. Oh, mais non. Je pense que ça dépend de comment on le fait et de ce qu'on y met dedans. Hop. Et donc là. Je vais venir me caler au bord. Et je viens appuyer. Donc. J'appuie bien comme il faut et après, je passe dedans. Et je viens appuyer. Voilà. Hop, quoi que j'aurais pu rester comme ça. Je vais rester comme ça du coup. Et là, je vais venir coller le livret. Là. Hop. Voilà, je viens ouvrir hein, pour pas l'abîmer. Hop.
Là, vous voyez, je suis allée sur le pli, là. Bon, après, ça, c'est pas bien important, puisqu'après, il y aura les photos dessus, mais bon, c'est vrai que c'était quand même mieux que ce soit bien, bien droit, bien, mais bon. Donc, je vais venir le mettre droit et je viens appuyer. Bon, après, sûrement que je pourrais capter des coups hein, pour relever un peu tout ça. Et voilà, oula. Donc, la sixième page est terminée. Donc, je vous remontre. Donc, là, nous avons le petit livret que nous venons de faire. Avec une pochette. Là, nous aurons une pochette en bas, sûrement, telle que je me connais. Ensuite, nous avons un rabat comme ceci. Un rabat comme cela. Un rabat en haut. Un rabat en bas. Un rabat comme ça. Comme ça. Et après, les pochettes. Voilà. Mais c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette sixième page vous a plu. Je sais pas, comme je vous ai dit, s'il y en aura une septième. Je pense pas, vu l'épaisseur. Je vais regarder, je verrai ça demain, si je peux. Sinon, après demain. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et faites attention à vous. Bye bye.